Monsieur Akko, habitant Amman, né le 23 décembre 1981 à Glasgow, pour les sacrés de doctorat à l'Université de la Pomé-Calabi, le jeudi 28 décembre 2017 à l'École corporelle de la vie et de la terre, de la faculté des sciences et technologies de la dite université, sur le thème évaluation de l'efficacité des extraits de plantes locales pour le contrôle des vecteurs de paludisme résistant aux pyrénoïdes communes. L'imprétant a présenté sa thèse avec clarté et éloquence dans le temps imparti. Ces travaux qui ont été appuyés par une bibliographie fournie et indiquée ont porté sur l'évaluation de l'efficacité des extraits de taux ou la lutte contre le paludisme. Dans cette étude, l'activité larvicide des extraits végétaux à des doses dont vous utilisez offre un avantage alternatif pour le contrôle des vecteurs résistants aux pyrénoïdes. Globalement, le travail présenté par M. Akko constitue sur le plan scientifique une contribution remarquable. L'utilisation de divers protocoles adéquats et fiables lui a permis d'effectuer un travail analytique énorme et de très haute qualité. De plus, quelques résultats obtenus ont fait l'objet de trois publications, toutes dans des revues à diffusion internationale. Au vu de ce qui précède, le jury, après avoir jugé l'ensemble du travail ainsi que les réponses aux questions du postulant, a décerné à M. Akko Amman le grade de docteur de l'Université de la Pomé-Calabi dans la spécialité entomologie archée avec la mention très honorable. Facile. Il n'y a jamais un travail facile. C'est une question d'abnégation, c'est une question d'engagement. Et c'est vrai, lorsqu'on commençait cette thèse, c'est tout comme si on se mettait sur une route
Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière la route. Ça va conduire où? Chemin faisant, avec la contribution des laboratoires qui ont beaucoup contribué, le laboratoire d'analyse à l'EPAC, le laboratoire de la FSA et les chercheurs ensemble sur ce thème, on est arrivé à un concours. J'ai pleuré un peu, c'est pas parce que le travail a été difficile, mais c'est lié à beaucoup de choses. Alors le thème, c'est l'efficacité des extraits des plantes locales pour le contrôle des moustiques, qui sont des vecteurs du paludisme. Et ces vecteurs sont déjà résistants aux pyréthrinoïdes. Les pyréthrinoïdes, en réalité, c'est des produits chimiques qui ont un effet choc, un effet dissuasif. Donc dans les moustiquaires, déjà dans la maison, le moustique en réalité ne pouvait plus intégrer la maison. Mais aujourd'hui, lorsque le dormeur, celui qui dort sous moustique, a son bras contre les mailles, les moustiques le piquent. Vous voyez, non? Donc ces produits ne répondent plus. Donc il faut trouver des mesures alternatives. La mesure alternative avec les produits chimiques, ce n'est plus prometteur. Ces mesures ne promettent rien. Le mieux, c'est de voir les plantes ou bien les produits naturels pour non seulement limiter la sélection de la résistance, mais aussi préserver l'environnement contre ces produits chimiques qui sont de grandes rémanences. Donc c'est ce qui nous a conduit à évaluer l'efficacité de ces plantes locales. Et l'avantage, c'est que ces plantes ont marché, on peut les utiliser et on n'a plus besoin d'aller loin pour les avoir. On peut les cultiver chez nous, au Bénin, on peut les cultiver aux alentours des maisons et en faire un usage. La suite de ce travail, c'est mettre à la disposition des populations de façon pratique ces résultats. Comment on va les appliquer? Il ne sert à rien de travailler, d'avoir les résultats, de ne pas les exploiter. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour tout le monde. Quand on dit qu'on va lutter contre le paludisme aujourd'hui, ce n'est pas dans ma maison seule, c'est pour tout le monde. Donc il faudrait qu'on vulgarise ces résultats à travers des laboratoires pour mettre ça à profit des populations. Et ce que je vais dire, c'est la manière dont les gens m'ont aidé, je dois vous œuvrer pour que je puisse aider aussi d'autres en retour. Et ce serait mon mot de fin. La manière dont on m'a aidé, je vais œuvrer pour aider d'autres. Thank you.
C'est bon. Bon. Je ne vais pas m'écarter de vous. Non, il n'y a pas de problème. Même si le maire, ça fait des kilomètres. Le maire n'est pas là. On va se rapprocher par Internet. S'il faut que je ne I'm going to go to the hospital.